soir la bienvenue au Cirque Chabry. C'est une soirée très spéciale et très importante pour le cirque, pour ma famille et pour moi en particulier. Comme vous le savez, dès le départ, dès le commencement, je parlais de ce projet, j'ai remarqué l'engouement et l'intérêt pour le cirque. Les gens voulaient savoir d'où vient le cirque, comment devient-on artiste de cirque. Eh bien, j'espère que ce soir, avec cette exposition, vous en avez appris, peut-être au travers des anecdotes, des coutumes et des traditions qui rendent ce spectacle si particulier. Mais avant de continuer, eh bien, je voudrais vous présenter les différents intervenants de cette exposition. Ce sont autres que ma famille. Il y avait Toto Chabry, qui était là. Merci, merci. Je vous explique une connaissance si particulière d'une loge d'artistes et le track avant de monter en piste. Et bien, il y avait aussi ma maman, Nora Chabry. Grâce à un arbre généalogique remontant à plus de 150 ans. Notre acrobate russe, Stéphane Platchkov. Grâce à lui, vous avez appris la rigueur de l'école russe et du cirque en ex-Union soviétique. Da. Enfin, à Martine Chabry, mes sœurs, et à Lille Chabry. À quel point la musique est importante de le cirque. Mais maintenant, je vais un peu plus sérieux. Comme vous le savez, après avoir fait une carrière d'artiste de cirque, je me suis intéressé à la physique. Et j'ai toujours voulu marier les deux disciplines. Et je crois que ce soir, c'est le moment idéal. Alors, je vous propose une petite conférence de 2 heures, 2 heures et demie. Merci. Une petite conférence de 2 heures, 2 heures et demie de physique, pas plus, hein, on va être léger encore. Hein. Ouais, on va être léger. On va d'abord calculer un Hamiltonien dans un spectacle de cirque, puis vous savez naturellement, il y a le Lagrangien, calculer les variables conjuguées, tout ça vous le savez déjà. Hein. C'est que du... Excusez-moi, jeune homme, excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites là, juste? Bonsoir. J'ai l'exposition. Oui, là je comprends, mais là l'exposition c'est terminé, maintenant c'est ma conférence à moi, donc s'il vous plaît, sortez, oui. Je sais, mais quand même, rejoignez les autres, soyez sympas. Hein, on va commencer ma petite conférence, donc... Ça sert à quoi? Alors déjà, vous ne touchez pas au matériel, ok? Vous me l'avez. Attends. Ça, c'est un instrument de velours. Regarde, ça se joue comme ça. Non, s'il te plaît. On va ça tout de suite. Je vous le contraste.
ça. Ah, mais oui, mais voilà, c'est pas de la tête qu'on va gérer. Non, vous arrêtez un peu. Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First he loved. Thank you.
voir. Tu sais ce qui me fait plaisir? C'est que tu fasses une démonstration de jonglage. Ah, oui, très bien. Ouais, oui, j'ai besoin de plusieurs ustensiles. Ah, ouais? Et lesquels? Ah, ben, des balles de jonglage. Oh, des balles de jonglage. Des balles de jonglage pour aller. Oui, mais c'est pas tout. Ah non? Non, j'ai besoin d'une coupette. Un quoi? Une petite coupette. Qu'est-ce que c'est que ça, une coupette? Une petite coupette de champagne. Oh non, 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 non. T'en as déjà eu assez tout à l'heure, le champagne. Oh, la dernière, hein? Ok, d'accord. Oh, okay, d'accord. Une coupette de champagne pour Aline. J'espère que c'est la dernière. Oh là, oh là, oh là, oh là. C'est la dernière, hein? Merci. C'est la dernière, dernière. Mais c'est pas possible. Mais, Ça fait bien. Continue. T'aurais pas quelque chose? Mais ouais, mais t'es toute mouillée. T'aurais pas une robe comme changer? Mais qu'est-ce que je vois là? Là, 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 il y a deux jupes. T'en prends une et tu te sers. Voilà. Elle va t'aller à ravir. Oui, oui. N'est-ce pas? Mais c'est pas tout. J'ai besoin d'un miroir, d'un magnifique. Pour quoi faire? Pour te recoiffer. Stéphane! Stéphane! Oui? Va chercher le miroir qui est dans la remise. Oui, mais attention, hein. Il est fragile, hein? Mais t'as compris, hein? Il est fragile! Vas-y! Ok! Vas-y et reviens vite, hein! Ah! J'espère que t'as rien cassé, là! Non, non, non plus, moi non plus! Mais c'est pas vrai! Mais il faut être prêt aujourd'hui ou quoi? Mais tu l'as fait! Non, cassé! Ah, attends! Attends! T'as une idée? Pas de panique! Okay. J'ai une idée! Ah bon? Tu vas aller dans la loge! Tu vas te déshabiller. Oui. Tu vas mettre la même robe qu'Alim. Oui. Tu vas revenir ici, derrière le miroir, tu vas faire les mêmes gestes qu'elle. Elle n'y verra que du feu. Hein? Oui, toi. Non, non, non. Si, si, si. Si, si. Si, si. 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 D'ailleurs, tiens. Tu vas mettre les robes là et tu reviens quand je la fais. T'as compris? Quoi? Mais, attends, mais tu crois que ça va vraiment marcher? Mais ça va pas s'en rendre compte, peut-être? Toi, t'es comme eux! Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'elle va s'en apercevoir? Avec tout le champagne qu'elle a éclusé ce soir, elle n'y verra plus feu! C'est pas vrai, c'est pas vrai! C'est pas vrai, t'en verras plus. La responsabilité! C'est la vérité! Thank you.
Non, c'est pas ça. Là, si c'est ça, le voilà. Oh, je l'ai cherché partout. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, si tu savais les souvenirs que ça me procure, ça. Bon, lesquels? Des bons souvenirs. Hein? Des souvenirs au Brésil. Ouais, un sketch comique que j'avais fait au Brésil il y a des années. Ah bon, lequel? Quel sketch? Oui. La déclaration d'amour de Monsieur Canard à Mademoiselle au Rossignol. Ouh, et je sens que t'aimerais bien le faire. Hein? J'adorerais. Eh bien, écoute, j'y penserai. Mais dis-moi, tu parles souvent du Brésil. Quel a été là-bas l'artiste qui t'a marqué le plus? Rafael de Carlos. Raphaël de Carlos. Un jongleur. Il était comment? Oh, il était plein de talent. Et d'une beauté. Mais d'une beauté. D'ailleurs, toutes les femmes en étaient folles. Hein. Et pas que les femmes. Mais sa musique, elle était comment, sa musique? Ah, c'était un mélange de Mozart en rythme de salsa. Mozart en salsa? Ouais. Pac, 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 pac. Ouais! Ça devait être quelque chose comme ça! Ah, oui.
Avete perché? Ah, no, concentrazione. Seven, here we go. Thank you.
Musique.
Ce soir, tonight, heute Abend, ich brauche eine starke Männer. A 3-4-1. One very strong man. Please come and check this, that there is no magic. No mystery. And no magic. One strong man. Two blessed. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Enrico. Enrico from? Italiano. Bravo. Allora, prova questa piccola scaletta.
calme et très attendrissant. Mais ce soir, après lui, ce n'est pas que eux, c'est le monde du cirque et vous en faites tous partie ce soir. Alors maintenant que vous êtes initiés, vous savez qu'à la fin du spectacle, c'est la finale. Alors oui, je suis désolé. Eh bien, je vais vous présenter encore une fois les artistes. Et on va commencer par de l'École supérieure des arts du cirque, Leonardo Garcia. Thank you.
Toussaint qui organisait tout ça. C'est son fils. Il a tout préparé, tout ça, avec ses tout propres mains. Et a fait tout le spectacle. Tout. C'est Alain Gobert. Merci à vous tous, à toute ma famille. Merci à Edith Astor et mon oncle Tony Castor, qui est Edith, qui est le metteur en scène, le metteur en scène. Edith, il est là. Et nous ont fait confiance. Merci à tout le public. Et oui, à ce public.